Dans le cadre des expérimentations conduites par le CEM sur l'A400M, l'équipe de marque ATT a souhaité prolonger l'étude sur la fatigue menée conjointement par le DMAO et l'IRBA. La première campagne de mesure, effectuée pendant 10 jours lors de la mission La Paz au-dessus de l'Amérique du Sud, vers l'Ouest, a démontré scientifiquement les causes de survenue des symptômes de la fatigue des équipages, pilotes et loadmasters. Des seuils d'apparition en vol de microsommeil de plusieurs secondes ont été statistiquement quantifiés, ainsi que les fenêtres horaires de baisse de vigilance. La deuxième campagne de mesure sur la fatigue, opportunément réalisée pendant la mission vers l'Australie, pour l'Avalon Airshow, comprend des vols de très longue durée, de plus de 9 heures, vers l'Est. Deux relèves d'équipage frais, mis en place par voie aérienne civile, seront également testées aux Philippines et aux États-Unis. Le risque lié à la fatigue, inhérent à la longe stratégique de la CLI de la 400M, sera rigoureusement analysé par le CEM, puis circonscrit et maîtrisé. Les performances exceptionnelles de la 400M font entrer le transport aérien militaire français dans une nouvelle ère, et le CEM, en mettant en œuvre des méthodes scientifiques, tout en optimisant les moyens matériels et humains, fait face à ces enjeux complexes et répond aux besoins des forces.